On va suivre d'un œil très attentif Robert Lewandowski aujourd'hui. Il reste sur 3 buts inscrits lors de son dernier match et il n'a pas envie de s'arrêter là. Allez, on se retrouve tout de suite pour le match sur eSports. Bienvenue à tous, bienvenue à Francfort, ici au Deutsche Bank Park où il neige, figurez-vous, ce qui n'est pas si rare, mais quand même. Au micro, bien évidemment, Pierre Ménès, appelé ici Pedro Ménès, et moi-même, Hervé Matou. On va suivre ensemble une belle rencontre de Bundesliga, on l'espère, avec Eintracht Francfort face au Bayern Munich. Alors mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, je me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit au rendez-vous sur la pelouse, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Robert Lewandowski. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. Un groupe qui fait plaisir à voir, hein, Pierre. Les résultats sont là, les supporters sont présents, ils sont contents, ils sont derrière l'équipe. L'ambiance est bonne partout. Goretzka. Lewandowski. Leon Goretzka. Müller. Leon Goretzka. Le défenseur qui contre ce ballon. David Abraham. Hein, tout le monde participe à cette séquence de passes. Chandler. Dost. Robert Lewandowski. Alors, on me dit que le score viendrait d'évoluer au stadion Anderalten Försterei. Berlin, c'est à vous. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de Mönchengladbach. Un but à zéro, donc, et on joue ici depuis 19 minutes. Merci, et merci pour l'info. Müller. Coman. Thomas Müller. Robert Lewandowski. Chandler. David Abraham. Ils perdent ce ballon. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Müller. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Lewandowski. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Ça va être compliqué. Allez, dommage, ça n'ira pas plus loin sur cette action. Il cherche une solution. La frappé, il a été contré. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. La neige qui est là et qui n'empêche pas la tenue de ce match. Non, l'arbitre a jugé que la pelouse était praticable. C'était aux joueurs de s'adapter du coup. Avec ces chiffres, on s'explique mieux l'absence de but dans ce match. On voit que peu d'occasions et il n'y a aucune équipe pour dominer l'autre. Bas Dost. Bien défendu. Goretzka. On me dit qu'il y a eu un but à Berlin. Le stadion Anderalten Försterei. Vous avez un but ? Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour l'Union Berlin. Ça fait donc un but partout, alors qu'on joue ici depuis 39 minutes, Hervé. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup. Ah, il a mis de l'intensité dans son geste défensif et ça lui a permis de récupérer le ballon. Il s'est récupéré. Serge Gnabry. L'arbitre qui vient de siffler Lamit. C'est le Bayern Munich qui donne à l'instant le coup d'envoi de la seconde période. Tolisso. Tolisso. Müller. Corentin Tolisso. Müller.
Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Et corner, peut-être pour prendre l'avantage. Il cherche le point de pénalty. Le gardien qui repousse ce corner. Alors on me dit que le score viendrait d'évoluer au stadion Anderalten Försterei. Berlin, c'est à vous. Oui, deuxième but à l'instant pour Mönchengladbach. On en est donc à 2-1. Alors que nous en sommes à 51 minutes de jeu. Parfait, merci pour ce point rapide. Un tacle plein de dureté et d'intensité. Il récupère le ballon. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Ouais, pas le bon choix sans doute. Auswechslung bei Eintracht Frankfurt. Vom Feld gegangen, die Nummer 11, Steven Zuber. Neu im Spiel, die Nummer 32. Bien donné encore une fois. Müller. Lewandowski. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. C'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas. Attention, le corner et le gardien qui boxe le ballon. C'est bien fait. Kingsley Coman. Tokisso. Jérôme Boateng. Tolisso. Ouais, il avait vu venir. Un petit peu obligé de se débarrasser du ballon là parce que ça pressait très bien en face. Les joueurs du Bayern qui se sont un petit peu rapprochés de la zone de vérité. Une touche à suivre. Lewandowski. Oh, s'il marque, ils vont passer devant. Attention. Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. Et c'est donc le Bayern qui prend la tête. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. Ouais, lumineux cette passe. André Silva. Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le ballon. Bien joué. Le corner pour peut-être chercher l'égalisation. Ah, bien fait de la part du gardien sur ce ballon dans la surface. Robert Lewandowski. Avec Lewandowski. Thomas Müller. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur du ballon. Il y a de la qualité dans les passes, dans les déplacements également. Il va être à bout portant. Sébastien Rodeux. Corentin Tolisso. Oh, le numéro qu'il nous fait, et ça va être dangereux. Et c'est un but. On va revoir ce but avec d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense en difficulté. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Un mal défendu. Ah, c'est pas normal de se faire avoir comme ça. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Attention à ce corner. Là, c'est au-dessus, juste au-dessus, cette tête. Oui, il a essayé de la rabattre, mais pas suffisamment. Dommage. Sébastien Rodeux, le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Allez, il peut y aller. Ouais, le ballon au fond, magnifique. Allez, décidément, cette équipe, elle ne veut rien lâcher dans ce match. Mais dans les arrêts de jeu, c'est un petit peu cruel, c'est vrai. Mais... C'est terminé. Le Bayern remporte ce match.